Côte d'Ivoire chérie, et sois toujours bénie, Côte d'Ivoire mon amour, rayonne dans le monde entier et prospère toujours. L'univers envie ton génie et puisqu'on va se glorifier, pays immortel, nous te chérissons, Côte d'Ivoire mon amour. J'aimerais dire quelque chose parce qu'aujourd'hui nous sommes habillés en honnête. Lorsque ça dit pour prévenir les palabres, il faut prévenir les histoires. Donc, quand ça ne va pas, il faut dire attention, il y a telle chose. Qu'est-ce qui a fait quoi à qui? Ces derniers temps, j'ai vu sur le buzz beaucoup de problèmes qui sont là. On y a entendu beaucoup de choses. Qu'à cause de Solo Guillaume, on ne donne pas de marché. À cause de Solo Guillaume, j'ai perdu mon travail. À cause de Solo Guillaume, je n'aimerais pas que tout ce qui se passe, qu'on dise que c'est à cause de Solo, à cause de Solo. Comme ça, de telle sorte que quand la personne sera obligée de donner à manger l'argent à tout le monde. Et quand c'est comme ça, on va appauvrir l'enfant. Il a ses idées, il a ses belles idées, mais je n'aimerais pas qu'on pollue un peu autour de lui, à cause de lui, à cause de lui, c'est pas du tout bien. C'est pour ça que chaque fois quand j'ai quelque chose, je vais me renseigner. J'ai vu sur le buzz, on dit que oui, il y a un truc qui a fait le buzz plutôt. On dit qu'il y a M. Traoré Mamadou qui a été renvoyé, qui a été démis de ses fonctions, des conseillers, des Marétou Kone comme conseiller. Madame Toukone était ministre, il était son conseiller et on l'a démis à cause de Soro. J'ai été jusqu'à la source me renseigner et je suis parti au cabinet de Madame Toukone pour que je me renseigne. Et c'est là que j'ai appris que Alou Loto étant ministre, Madame Toukone étant ministre dans son département, chaque ministre dans son département a droit à 5 conseillers. Alassane Ouattara a imposé un nombre de conseillers à chaque ministre. Tu peux pas dépasser plus, il faut 5. Même quand les ministères sont mélangés, tu dois toujours garder 5. C'est comme ça que Marétou Kone, lorsque l'a pris le ministère, ajouté à le ministère qu'avait Anou Loto, ça fait 2 ministères. Maintenant, les 5 conseillers qu'il avait ici, 5 conseillers d'Anou Loto, elle ne pouvait pas prendre les 10 conseillers. Il faut forcément garder 5. Elle fait comment? Elle a dit à Traoré Mamadou, qui était l'ex-directeur général de l'IFES. L'IFES, c'est l'Institut National d'Information Sociale. Il était le directeur là-bas et il a été démis de ses fonctions par M. Moussa Dosso, qui l'a envoyé et il a été récupéré par Marétou Kone. Et Marétou Kone a dit, ah, petit frère, c'est ce que j'ai appris. Hein. Marétou, mon petit frère, comme toi tu es mon petit frère et que je dois prendre 5 conseillers, oh, il y a 10, je veux que toi tu quittes. J'ai gardé parmi les 10 conseillers, parmi les 5 conseillers que je vais laisser là. Tu feras partie des 5 conseillers. Moi, je vais garder 5. Toi, tu vas partir comme tu es mon petit frère. Et puis, je vais te trouver encore un point de chute quelque part. Et lui-même, il a accepté. Alors, je n'étais pas content. Ce que je ne comprends pas. Si vraiment c'est le cas, il a accepté devant sa sœur, Marétou Kone, d'être démis de ses fonctions. Et Marétou Kone lui a proposé un autre poste ailleurs. Lui-même, il était d'accord. Mais comment se fait-il encore qu'on dit que c'est à cause de Soro qu'on l'a enlevé? Ça me gêne un peu. Et après, Dieu merci, j'ai constaté qu'il a fait un message qu'il a écrit à la dame Marétou Kone pour s'excuser, pour dire que ce n'est pas lui qui a écrit, ce n'est pas lui qui a mis ça sur le buzz, ce n'est pas du tout lui, c'est des gens qui viennent mélanger entre lui et Marétou, entre lui et Soro, dit entre lui et les autres pour dire que c'est à cause de Soro, ce n'est pas lui, c'est des gens qui ont écrit et que lui-même, il prend des excuses à Marétou Kone. Et je pense que désormais, dans cette tribune, il faut qu'on apprenne à dire la vérité. La vérité, la vérité. Il ne faudrait pas que nous tuions le nom de Soro n'importe comment, n'importe où, pour salir l'image du monsieur. Ce n'est pas du tout bien. Tantôt, ce n'est pas lui. Tantôt, c'est lui. Il faut qu'on arrête cela. Donc, le cas de Traoré, c'est clair. Il n'a pas été démis de ses fonctions parce qu'il marche avec Soro Guillaume. Pas de problème. Ce n'est pas un crime de marcher avec Soro. Pourquoi c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Soro, il a été premier dans ce pays. On sait ce qu'il a fait. Donc, ce n'est pas un crime. Donc, tous ceux qui peuvent marcher avec Soro, on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils marchent avec Soro. La seule personne qui a défendu Soro et qui a été démis de ses fonctions et qu'encore, ils sont en train de chercher à rencontrer les sociétés pour savoir pourquoi, c'est Soro Alphonse. Soro Alphonse qui a défendu Soro dans un journal parce que Soro a été attaqué dans le journal, un journal français. Et Soro Alphonse, étant conseiller du Premier ministre Gon Coulibaly, a défendu Soro Guillaume pour dire à ce journal que non, vous êtes en train de jeter un discrédit sur le prince avec national, mais ce que vous dites là, c'est faux. Lorsqu'il a défendu le prince avec national,
Deux jours après, il a été démis de ses fonctions de conseiller de Gon Coulibaly. Et là aussi, je suis en train de mener des enquêtes pour savoir pourquoi. Voilà mon numéro. Celui qui a des informations peut m'appeler au 01 08 02 31 pour la manifestation de la vérité. Fini désormais qu'on dise que à cause d'un tel, à cette allure, l'enfant sera submergé. À bon entendeur, à la prochaine. Emergence, doyo, émergence, doyo, émergence, doyo.